Je trouve ça tellement punitif. Juste incroyable. Troisième, putain, c'est rarissime que j'arrive à être troisième à ce niveau-là. Un vrai petit miracle. Quand je vous dis que Mario Kart c'est pour les bébés, comparativement à quel point ce jeu-là est punitif en comparaison. Un tour, aïe 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 aïe. Un seul tour pour faire la différence, c'est compliqué. C'est compliqué, on va pas se mentir. On est pas loin de l'impossible. Allez, quelques mètres. Est-ce que je vais réussir à faire la différence sans l'aspiration? Non, même pas. Impossible. Je vais à tout prix réussir à être premier, pas le droit d'être deuxième ou troisième, ça me passe. Je vais être à tout prix premier. Ah, punition ultime. Inutile d'essayer, c'est pas la peine. Si je fais ça, je perds 2 secondes, c'est pas la peine. Ah, punaise. Oh, comme il est loin le premier, oh là là, regardez. Ouais, c'est foutu. Oh, c'est méga foutu. C'est déjà fini je pense. Non, il reste un tour, mais de toute façon,
troisième tour de la fin pour doubler le niveau punition, c'est impossible. Je n'ai même pas approché ni de près ni de loin mon score. Je fais une dernière tentative. Alors ceux qui se prétendent bons sur Mario Kart, passez à ça un jour. Vous verrez à quel point vous êtes minable en réalité. Soft lock par un adversaire en plus, comme ça c'est bien. Comme si j'avais la possibilité de me permettre ce genre de fantaisie. J'ai eu le bouclier au bon moment même. Mais bon, de toute façon 4, ça sert à rien. 4ème, ça sert à rien. Pour passer 4ème à 1ème, il faudrait au moins 2 tours. Troisième, c'est encore pire que tout à l'heure. Il y en a qui trouvent que Mario Kart est difficile, ou qui se vantent d'être bons sur Mario Kart. Venez jouer à Super Tux Kart les mecs, après on verra.